C'est le duel que tout le monde attend. Bienvenue au Lusail Stadium. Dans quelques secondes, la rencontre va pouvoir commencer. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Et comme le dit Omar, on s'attend à un match effervescent. Le Brésil affronte le Portugal. Et oui, quand on arrive au stade de demi-finale avec la finale au coin de la rue, la pression monte encore d'un cran. Mais attention à ne pas disputer le match dans la tête trop tôt. Le trac avant de jouer, c'est normal. Ce qu'il faut éviter, c'est un excès de nervosité. Oh, la frappe! Oui, c'est contré, bonne défense. Et le ballon est finalement intercepté. Alors, la compo pour le Brésil. Dans le but, c'est Alisson Becker. Thiago Silva avec Marquinhos en défense centrale. Casemiro sera associé à Fabinho au milieu. Et enfin, en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Et ce sera donc un corner. Voici la compo de départ pour le Portugal. Rui Patricio dans le but. João Cancelo avec Nuno Mendes dans les couloirs. Bruno Fernandes sera associé à Ruben Neves au milieu de terrain. Et enfin, ce duo en attaque. Neymar, évidemment, on va garder l'œil sur lui parce qu'à tout moment, il peut nous faire un tour de magie. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude incroyable à libérer son équipe de la pression. Ce sont des caractéristiques très précieuses. La frappe, et un arrêt sans aucune difficulté pour Rui Patricio. Rafinha sur l'aile, il a un peu de liberté. Et Paqueta qui va centrer, c'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Et finalement, pas de danger. Bernardo Silva. Bernardo Silva qui progresse. Et non, ballon récupéré par l'adversaire. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Rafinha sur le côté, il a de l'espace. Le coup de sifflet de l'arbitre, et oui, penalty! Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et c'est sauvé par le gardien. Corner. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. La chilena, la bicyclette, elle ne passe pas loin du tout. C'est hyper bien tenté. Et en plus, ça surprend l'adversaire. Sans compter en plus que c'est spectaculaire. À l'interception, et c'est un ballon perdu par les Brésiliens. Allez, il faut l'aider. Il faut lui proposer des solutions là. Ronaldo. Mais pour le gardien, là, c'est une affaire facile. Ronaldo, très belle frappe, mais de peu à côté. L'arbitre laisse l'avantage. Neymar. Et ça joue avec Neymar. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Et le tir part bien. Et c'est au fond, le premier but de ce match, Cristiano Ronaldo. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Rafael Leao. Et c'est pour Matheus Nunes.
Et non, le geste est raté et le ballon passe assez largement au-delà du poteau. Geste pas maîtrisé, ça sort largement. Et voilà, un ballon bien intercepté. Et ça joue avec Fabinho. La perte de balle de Bernardo Silva. Fabinho avec le ballon. Et attention là, Neymar. Mais c'est pas possible, c'était l'occasion ou jamais de revenir à hauteur des adversaires. Vraiment incompréhensible. Mateus Nunes. Casemiro sur la trajectoire. Ça joue sur Paqueta. Oui, bien fait, il est passé. Paqueta. Plongeon de Rui Patricio. Le corner bien tiré. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Le ballon part au deuxième poteau. Ah, le pressing paye. Ballon récupéré très haut. Oui, bon plongeon là-dessus. Le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner, et c'est vrai qu'il est très bien frappé. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond de filet. Et avec ce but, score de parité, un partout. Olé, le bon mouvement. Il est venu aider son coéquipier. Bien joué, danger écarté, ballon récupéré. Bruno Fernandes. C'est contré, sans problème. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Et bien fait, attention à l'occasion. À nouvelle occasion ici. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Ah non, le Portugal là qui perd le ballon. Cristiano Ronaldo. Et voilà, c'est donc la fin de cette première mi-temps au Lusail Stadium. Et le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps donné par le Brésil. Et oui, il a vu son partenaire là, Bruno Fernandes. Le ballon pour Rafinha. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Bernardo Silva. Ballon pour Bernardo Silva. Et ballon perdu par le Portugal. Vinicius avec le ballon. Le centre de Vinicius. Et le bon retour défensif, ça pouvait être dangereux. Bernardo Silva. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ça joue avec Rafinha. Il a bien anticipé. Le ballon est intercepté. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bien défendu. Le ballon est récupéré. Ça joue sur Paqueta. L'occasion de prendre l'avantage. Et très bonne intervention du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo.
Ballon pour Bernardo Silva. Oui, le bon geste défensif. Ça joue avec Rafinha. Le ballon pour Cristiano Ronaldo. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Le ballon pour Ronaldo. Ah oui, ça joue sur Ronaldo. Ah, bonne couverture de balle pour temporiser. Ah, perte de balle de Marquinhos. Le ballon pour Bernardo Silva. Ballon pour Bernardo Silva. Alors, on essaye de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Casemiro. Ballon pour Alexandro. Et ce ballon pour Vinicius. Le drapeau s'est levé hors jeu. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Ah, c'est bon, un centre comme ça au second poteau. Et c'est capté, là sans trop de problèmes. Bernardo Silva. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ballon pour Pep. Bonne séquence de possession, le ballon circule bien. Vinicius dans le couloir, il a de l'espace. Pour prendre l'avantage peut-être. Un bon arrêt du gardien. C'est bien parti pour ce corner. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Le danger est écarté. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Alexandro à la réception. Contre son camp, c'est évidemment un cauchemar et c'est un grand coup au moral. On revoit son ballon qui finalement rentre dans son propre but. Tout le monde regarde ailleurs et préfère éviter d'accabler leur partenaire. C'est évident, involontaire, et ça peut arriver à tout le monde. Impossible de lui en vouloir. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Vinicius avec le ballon. Avec Lucas Paqueta. Et ça joue avec Fabinho. Bonne intervention. La passe est interceptée. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ouais, c'était assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. Alexandro à la réception. C'est vers Vinicius. La contre-attaque était vraiment très belle. La finition, par contre, approximative. La transition vers l'attaque est très bien menée. Mais c'est dans le dernier geste que ça bloque. Bernardo Silva. 5 minutes de temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. Cristiano Ronaldo. Incroyable égalisation dans les dernières minutes de ce match. Ils y ont toujours cru et ils y sont parvenus. Le jeu reprend, le score est de parité, 2 buts partout. Du mouvement pour aller porter le danger. Allez, c'est pas terminé ce corner. C'est une occasion de but, une occasion de départager les deux équipes. Non, dégagement manqué et attention, peut-être une nouvelle occasion. Bon positionnement, le ballon est récupéré dans le camp adverse. Bernardo Silva. C'est un ballon qui est récupéré. Il y a du soutien pour Vinicius. Moment clé dans ce match. Vu le chrono, le temps passe. Un but maintenant et c'est la victoire assurée. Et le panneau indique une minute de temps additionnel. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin. Et le début de cette première période des prolongations.
Ah non, le Portugal là qui perd le ballon. Le ballon pour Neymar. Et le tir, attention! Bonne intervention pour éloigner le danger. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Le ballon pour Casemiro. Et maintenant Alexandro. Vers Lucas Paqueta peut-être. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. À la réception Paqueta. À la frappe est contrée. Un bon contre à jouer peut-être. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Une balle jouée en profondeur. Et l'arbitre qui lève son bras là pour signaler un hors-jeu sur cette passe en profondeur, pas évident. Dommage, hein, parce que la passe, c'est une délicatesse. Qu'est-ce que c'est mal donné. Ce ballon aérien vers Vinicius. Et ça joue sur Vinicius. Quelle belle occasion gâchée. Le ballon file en 6 mètres. Et la passe dans le dos de la défense. Et oui, Patricio, quelle intervention exceptionnelle. Cristiano Ronaldo. Ah, le ballon est repris grâce au pressing. Et ça joue avec Neymar. Ah, ce ballon pour Vinicius. Et non, finalement, ça ne mène à rien. Et voilà, c'est donc la mi-temps dans cette prolongation. Les deux équipes toujours au coup d'appui. Tout le monde est prêt. Premier ballon dans cette seconde période des prolongations. Ah, cette passe n'est pas très bien ajustée. C'est pour le gardien. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Ah, il élimine son adversaire. Oh, ça peut aller au but. Ah, il pique son ballon. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance, quel exploit. Un but extrêmement important. Il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le suspense est garanti. Ronaldo. Ah, le ballon est perdu. Sur l'intervention. Cristiano Ronaldo. Oh, et c'est bien servi. Et le ballon piqué. Et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu. C'était le geste à réaliser. Malheureusement, la frappe est légèrement trop appuyée. Ça sort. Pep. Oui, ce ballon est intercepté. Neymar en approche. Là, une frappe, le public attend ça. Le poteau, la balle revient en jeu. Ah non, ça s'arrête là. Richarlison, pas très difficile celle-là. Un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à la récente, ça a une difficulté. Il y avait mieux à faire. Ça corner bien, je veux bien frapper. Un changement là, côté brésilien. Ah, la différence est faite. Ah, le centre versé est partenaire en pleine surface de réparation. Aïe, 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 ballon perdu. Le ballon pour Neymar. Ballon pour égaliser. Et voilà une bonne situation complètement gâchée. La faute sans doute à un peu de déconcentration ou de suffisance. C'est pas le gardien qui va s'en plaindre. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Une minute en plus minimum. Ça y est, ce match est terminé. Et oui, c'est fait. Le Portugal est en finale. Évidemment, on va parler encore du très grand match de Cristiano Ronaldo. CR7 a été XXL. Le pied chaud, l'esprit est en effervescence, le public est en extase, triplé. Toutes les lumières s'allument autour de son nom et c'est normal.